Les activités du secteur de la musique ont pris du plomb dans l'aile avec la crise sanitaire du coronavirus. Les salles de spectacle sont fermées, mettant ainsi artistes et managers au chômage. Pour rebondir, l'Association des managers professionnels d'artistes de Côte d'Ivoire, AMPASI, réfléchit à des plans d'action. L'artiste rentre en studio, mais 95% du travail, que ce soit la réalisation des jackets, la stratégie, la promotion, c'est là le manager qui l'a fait. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le manager, il est laissé pour compte. Alors que pendant 25 ans, vous avez activé le système culturel et qu'aujourd'hui, il y a une pandémie qui sévit et vous êtes laissé pour compte. Donc là, nous nous remettons encore ensemble pour voir quelles solutions nous pourrons faire pour avancer dans notre travail. Nous cherchons des solutions. On a invité un conseiller culturel du nom de Javier Bozois, qui est d'abord lui-même aussi manager d'artiste. Et on a invité aussi M. Ahmed Kamboaté, qui est un expert dans la numérique. À cause de la COVID, on ne peut pas avoir des relations de contact direct. Donc ils vont nous proposer des solutions, comment travailler sur le numérique pour qu'on continue. Mais même là, même si on travaille sur le numérique, les salles sont toujours fermées. Est-ce qu'on peut faire des spectacles en salle vide? C'est une solution pour que les spectacles passent sur les réseaux ou sur les chaînes de télévision. Durant une matinée, experts et managers ont échangé sur les nouvelles habitudes et aptitudes à adopter face à la COVID-19. Mais aujourd'hui, on ne vend pas les CD. Nous sommes dans le streaming, c'est-à-dire la vente en ligne. Mais la plupart des managers ne savent pas les stratégies, les mécanismes pour développer l'artiste sur les réseaux sociaux. Donc c'est fondamental. Il fallait donc lui dire cela. On peut créer un annuaire du manager tout simplement, avec des notes du manager, des étoiles, voilà, qui fait que c'est la référence en termes de manager. Quand je viens manager, c'est là que je vais d'abord. Et quand je ne te vois pas, je n'y vais pas. Ensuite, on peut créer une plateforme pour permettre à faire la promotion de certains artistes et permettre au manager de pouvoir mieux gérer ses artistes. Parce que jusque-là, je sais que tout est fait encore peut-être de façon informelle. Et c'est à cela que le digital aide en fait. Et le digital aide à vendre aussi sur Internet, à vendre sur des plateformes comme Deezer, à faire une bonne com via les réseaux sociaux, à vendre même via YouTube et tout. Et c'est des choses qu'il faut qu'il sache. Plus proche collaborateur de l'artiste, le manager défend les intérêts financiers de ce dernier. Il gère la carrière discographique, éditoriale et scénique de l'artiste. L'Association des managers professionnels d'artistes de Côte d'Ivoire revendique plus de 500 membres.